vient à l'esprit? Dynamisme? Ce sont des liens forts entre l'industrie et son territoire. Et accueillant à titre industriel, parce que étant un bassin industriel très développé, il y a toutes les structures qui permettent de se faire aider et de collaborer entre industriels. Il faut que cette mutualisation des innovations soit la plus large possible dans le Dunkerquois, effectivement. L'industrie, elle doit vivre une sorte de révolution. On parle souvent d'industrie 4.0. L'industrie doit évoluer. On doit déjà passer le cap des difficultés que certaines entreprises, certains secteurs rencontrent pour aller plus loin, pour s'adapter, pour devenir plus technique. Le bassin dunkerquois manque d'attractivité. Si on compare par rapport à la métropole lilloise, qui est toute proche, la plupart des talents sont un peu siphonnés par Lille. Communiquer sur ce qu'on est capable de faire, communiquer sur les moyens qu'on peut mettre à disposition des entreprises pour développer leur activité. Incuber des start-up dans le dunkerquois qui pourraient nous donner des avancées sur justement nos outils numériques. On est en lien avec la CCI, avec le MEDEF, pour attirer des nouveaux talents, par exemple en installant une nouvelle école d'ingénieurs ou alors un campus d'une école existante. Faire venir de nouveaux industriels sur le bassin afin de nous apporter de nouveaux débouchés pour nos produits. Et puis également mettre à disposition des entreprises qui, ne l'oublions pas, ne sont pas toujours de grosses structures avec de gros moyens, des capacités de recherche, de développement. Comme le CEATEC, qui permettrait de pouvoir tirer notre épingle du jeu par rapport à la concurrence.